Et yo tout le monde, c'est Mickaël, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour ce huitième épisode de la Mickaël TV, donc cette série de vlogs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons aller pas très très loin. Nous allons aller au MediaMarkt. Donc MediaMarkt, pour les Français qui me regardent, c'est un magasin un peu comme la Fnac environ. Plus ou moins, c'est plus ou moins le même genre de magasin, mais alors beaucoup plus grand. Et donc aujourd'hui, on va aller là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une youtubeuse belge qui va se rendre là. Donc, c'est Diana de la chaîne Les Tendances. Peut-être que vous connaissez. Et elle organise un événement là. Enfin, j'ai pas très bien compris ce que c'est comme genre d'événement dans la vidéo qu'elle a fait. Mais en tout cas, on pourra prendre des photos. Donc, moi, on va aller là. Et on verra bien ce qu'il en est. Donc on se retrouve pour la suite du vlog. Donc voilà les gens, là je vais manger. Puis après je partirai en direction du MediaMarkt. Donc on se retrouve tout de suite pendant le trajet. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis. Donc j'ai bien mangé et tout ça. Et donc là on est en train de partir pour aller jusqu'au MediaMarkt. Il fait plutôt bon et c'est plutôt cool parce que pour tout vous dire, ce matin, cette nuit, il pleuvait. Du coup, j'ai plutôt pas mal de chance, on va dire. Et donc, on va aller jusqu'au MediaMarkt. Donc, on va prendre le bus et je pense que je vloguerai une fois qu'on sera arrivé parce que je sais pas, le voyage en bus, c'est pas forcément quelque chose de très très intéressant. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous appréciez ce petit vlog plutôt sympathique. D'ailleurs, je mettrai le lien de la youtubeuse Diana, donc de la chaîne Les Tendances. Je mettrai le lien de la chaîne Les Tendances dans la description, la barre d'infos. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. En ville et donc nous allons arriver au MediaMarkt qui est tout là-haut, donc voilà, on va devoir monter et comme ça sera plutôt cool et sympathique. Allez, à tout de suite. Voilà, donc du coup les gens, là on est dans l'ascenseur pour monter. Donc comme vous voyez, c'est un ascenseur, hein, rien de ouf à être dans un ascenseur. Mais voilà, donc j'espère que Diana Lisa de la chaîne Les Tendances est déjà là, mais bon, on verra bien. Bon, voilà les gens, on est avec Diana. Donc Diana, un petit mot? Bah oui, bah écoute Mickaël, merci d'être venu. Bah de rien. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et à sa chaîne, je la mettrai en description. C'est bon? Ouais. Bon, alors je rejoins une partie de mes abonnés juste ici. On est tranquillement installés, on va manger, on va boire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que certaines personnes partent et donc il faut un petit peu leur faire du shopping. Donc elles courent, elles font un chrono, elles doivent se maquiller là-bas et prendre des habits en bas sur le thème. Et je pense que c'est sur un système de vote qui va vous gagner, ou alors la meilleure gagne. C'est super cool. En gros, c'est les reines du shopping, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. En gros, ouais. Je vous rassure, c'est pas de l'alcool. C'est là ici, c'est pas de l'alcool. Voilà, voilà, comme ça vous savez. Il y a une chaise juste derrière là. C'est parti. Allez! Donc une magnifique TV Samsung 4K à 1 500 €. Donc chez MediaMarkt, donc voilà, venez, venez, venez acheter, voilà, venez. Fais un peu du MediaMarkt et toi en même temps, donc voilà. Ah, bah, Pardon? T'as déjà
Oui, on est donc au MediaMarkt, voilà. MediaMarkt qui est un magasin un peu comme la Fnac. Pour les Français qui nous regardent, parce que MediaMarkt n'existe pas en France, enfin, je pense pas. Je ne crois pas que ça existe. Enfin voilà. En tout cas, ils ont pas pris Marx. Je sais pas, franchement. Donc voilà, mon cabinet qui est là. Je ne sais pas si on la voit. Et nous, ben, on passe un bon moment, hein. Moi qui avais dit que je maigrissais, et ben voilà, je pense que c'est un petit peu perdu, hein. Là, la pseudo-reine du shopping arrive, enfin, celle qui a participé à un semblant de l'émission, en fait. Allez. Elle est où? Ah, elle est là. J'ai mis du champagne au frais. Pardon. Pardon, excuse-moi. Attends, elle est peut-être pas là. Vous voyez les gens, elle est là où il y a les escaliers en fait. Donc voilà. Elle arrive. Wow. Bloc de qualité. Comme vous voyez, c'est en leur différé. Hein. Là, il va y avoir la coiffure et la mise en beauté en fait. Attends, il me reste 3 euros. Donc, et voilà, il est tout ça qui est mignon. C'était bien? Oui, il était bien. Mais je crée, elle me fait peur. Moi, j'ai fait toujours peur. C'était trop cher, j'ai jamais pris les deux. Tu étais tranquille, hein? C'est ça, c'est la fin. Tu allais y arriver. C'est énorme. Je comprends, c'est la reine du shopping. Donc ça c'est les coiffeurs qui vont la coiffer tout simplement et faire la mise en beauté. Putain, j'aurais une GoPro là pour filmer. Voilà. Il n'y a personne pour t'entendre, pour ton souhait. Voyons ça sur un autre angle. Oui, non, je sais, c'est le gars.
C'est super compliqué. Ou alors, moi je dois parce que tu tresses ici, oui. Que t'es là comme ça. Je mets plein de couleurs ici pour que ta tresse ait plein de couleurs différentes dedans. Et voilà, on est au niveau. Peut-être que je vais mettre du mauve alors dans ce oui. Au niveau des yeux et dans les tons blancs aussi. Moi je voulais. Tu voulais quoi? Ici, ils se mettent quand même à deux pour obtenir un résultat optimal. Je me fais pomponner. Profitez, vous ne verrez pas deux fois sur la chaîne, ça. Vous ne verrez pas deux fois. Donc là, elle a reçu un cadeau en fait de deux abonnés. Voilà. Là, il lui reste un quart d'heure de mise en beauté, plus ou moins un quart d'heure. Je pense que ça va le faire. Clairement, ça va le faire. Pour le moment, ça va, t'apprécies les résultats. T'apprécies les résultats pour le moment. Pas encore fini les gens, mais ce qui se passe pour le moment, je n'avais pas anticipé en fait, j'avais pas prévu qu'il allait y avoir séance maquillage et tout, donc là vous avez des images que j'ai pas vraiment prévu on va dire, donc c'est plutôt sympathique je trouve. Hein. Je suis vraiment content parce que cette année 2017 est franchement quand même pas mal riche en rencontres de youtubeurs bien évidemment, et je personne, hein. Enfin, elle est plutôt riche en rencontres, donc franchement pour le moment, rien à redire à ce niveau-là. Bon, maintenant, je vais retourner en haut retrouver les gens. Voilà. J'attends l'ascenseur. Ah, il est lent cet ascenseur, c'est un scandale. Mais vraiment, scandaleux. Et nous montons.